et bonsoir. Vous allez bien? Ça tombe bien parce que nous autres aussi. Passez une super belle soirée. La chocolaterie du coin. Dans mon reflet, je vois cette gamine. Du coup, voilà, tout me revient. En gambadant, je reprends mon chemin. Wow! Je suis tellement contente d'être ici. C'est ma toute première fois au Festival d'été de Québec. Et, je me sens très, très choyée d'être ici avec vous tous et de partager la scène avec deux grands. En fait, Gaëlle, je l'ai rencontrée il y a quelques années à un premier festival que j'ai fait. C'était à Edmonton et j'étais complètement terrorisée parce que je devais faire un spectacle bilingue. Et je me souviens qu'on avait la trouille dans les loges et Gaëlle était venue nous rassurer. Et je connaissais déjà sa musique extraordinaire, mais là, j'ai rencontré la personne. Alors, partager la scène avec elle, c'est un grand cadeau. Mais aussi, partager la scène également avec un autre grand que je connais depuis que j'ai 3 ans et demi et que j'ai chanté ses chansons par cœur depuis tout ce temps-là. Ben, en fait, être ici avec Richard Desjardins aussi, c'est un immense plaisir, vraiment. Comme si je connais par cœur toutes les chansons de Desjardins. J'ai pas pour autant de pouce vert et je connais pas le nom latin. De toutes les fleurs de la planète, je suis pas comme toi, mais t'inquiète. Je ferai un effort monumental pour garder mes plantes artificielles. Je suis pas aussi disciplinée ou même du type très très rangée. Le bon mot serait bordélique ou tempérament artistique. Les preuves sont faites et véridiques, pas besoin du biologique. Mis à part ses futilités, toi et moi, c'est du copier-coller. Mais non, j'en espadrille sous un appart un peu trop grand. C'est pas parce que je suis ta fille que je te dis ça, c'est évident. Mais quand tu passes